Pause. Je vais voir si je trouve Hey, un PC salut à tous, histoire de j'espère que vous fouiner allez un bien. On peu. se retrouve pour ce sixième épisode sur Watch Dogs 2. Alors, dans cet épisode, on doit aller voler les registres de l'église de New Dawn, il me semble. Donc, on va aller faire un petit tour. On va éviter de faire trop de bordel, si je peux me permettre l'expression. Mais on se connaît. Nous, c'est pas la délicatesse, en tout cas moi. Donc, je sais déjà que ça va partir en live. Voilà. Voilà. Oh. Ça m'a l'air bien sécurisé cette histoire. On savait quoi? Eh ben on s'en tape, on y va. Hein? Non, je vais devoir aller passer par la porte centrale, non. Ils vont pas me faire ce coup-là quand même. Il ben, y a l'air que si. D'accord, trouver la carte. Il doit au moins être passé autrement, j'en suis sûr et certain. Alors. La porte, ouais. Alors, j'ai aucune idée de comment on peut rentrer. Normalement, ah. LOL! Merci pour le coup. Ok. Maintenant, range ton arme. Bon, il s'est fait la balle, tentez. Il me cherche. Voilà. Ok, bon. Changement de programme. Maintenant, c'est du 9 mm. On y va. On va pas incapaciter, on va tuer. J'ai honte parfois. Vraiment. Voilà. Il y a du monde, attention. Dans ta tête. Et maintenant, il est là, attention, il y arrive. On l'entend. Aïe. Ah non! Cours, petit oiseau, cours. Prendre, voilà, des sous. Il est pas très malin, lui. Il est vraiment pas malin. Et moi, je sais pas tirer. Ça c'est une des raisons aussi pour laquelle je galère. Alors c'est quoi ici? Il y a quelque chose à prendre, ça c'est cool. Voilà, donner clé. On va recharger, il est là. Et on va le terminer en plus. Comme ça, pas bien. Bon bah ça c'est fait. On a nettoyé à peu près tout ce qu'il fallait. Alors je sais pas du tout comment je vais. Ah bah là en fait tout simplement. Quel débile. Pour le même prix je meurs hein. Je sais pas si vous vous rendez compte mais
Jamais j'aurais pensé que ça pétait à ma tronche. Jimmy Siska. Eh ben voilà, j'avais raison. Oui, Marcus. Je suis au bon endroit, et ils l'ont bien amené ici. Si j'arrive à le faire sortir, vous pourrez le mettre en lieu sûr ? Comptez sur moi. Je serai prête. Prête ? Ah oui, je m'y fais pas. Alors, on a un garde. Toujours. On a un garde à l'extérieur, ok. C'est pas un problème, ça. Voilà. Alors, Jimmy Siska. Ah, il est là-haut, d'accord. Tu fais ça dans la vraie vie, tu meurs. Vous pouvez pas. Si, si, je peux. Ah, là, il y a moyen peut-être de pirater ça. Voilà. Écoutez. Voilà. Riche. Très riche. Et on va libérer Siska. Allez, Jason ? Je m'appelle pas Jason et je bosse pas pour Newton. Faut me faire sortir d'ici, mec. J'ai rien à faire là. Barrez-vous, allez. D'accord, d'accord. Quelque chose me dit que je vais me faire des copains. Faut se barrer en fait. Miranda, Jimmy Siska se dirige vers vous. Ok, et vous ? Je m'en sortirai seul. Assurez-vous qu'il lui arrive rien. D'accord. On va sortir ici. Il m'a pas vu. Là, il y a un garde là-bas au bout. Et on va se le faire. Salut. Je suis pas là. Il va me griller. Même pas. Eh ben écoute. Tranquille. Voilà, mission accomplie. Alors on va où maintenant ? On va regarder. Il me semblait que j'avais des points à mettre. Voilà, c'est bien ça. Alors. Oh, d'accord. N'importe quoi, j'ai 0 en fait. C'est le prochain level que j'aurai plus 6. N'importe quoi. Marcus, Jimmy est en sécurité. Merci, Miranda. Non, c'est vous qui avez tout fait. Il veut vous parler, je vous le passe. Marcus, c'est bien votre nom. Je veux cramer tous ces fumiers et je sais par où commencer. Retrouvez-moi devant le temple de Newton. Non, mec, il faut porter plainte. On vient de prouver que l'église séquestre des gens. En plus, j'ai tout filmé. On va diffuser la vidéo au monde entier et ça va être bon. Non, non, non. Je peux vous emmener au cœur de l'église. Les reliques sacrées. La source originelle. Ah, ça, c'est une offre que je peux pas refuser. On se retrouve là-bas. Eh ben voilà, on se retrouve là-bas. Je vais essayer de prendre le camion trop tard. Faut que j'arrête une voiture là, voilà. Stop, 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 stop. J'ai rien contre toi à la base. Allez, bouge. Voilà. Et un petit peu de classique. Pour le plaisir. Alors, attendez. Oh là, la police. J'espère qu'on va pas se faire courser. Quelle est la nature de votre argent, s'il vous plaît ? Alors, le map. On aurait pu se taper aussi, hein, mais. Bon, allez, prêt. Alors, opération principale, faux profil. Retrouver Jimmy à l'extérieur du temple de New Dawn. J'adore cette musique. La douceur. Et le vol qu'on vient de commettre. Tout ça va de pair. Ils auraient dû mettre les clignotants aussi. Hein. Tant qu'à faire.
Alors, en route. En route tout le monde. On va se retrouver là-bas. Allez, c'est parti pour le temple de New Dawn. Bah déjà pour monter, quand il pleut, à mon avis, ça doit pas être facile. Heureusement que j'ai pris un 4x4. Ici la police, votre urgence, s'il vous plaît. Y'en a pas. Y'en a aucune. Ok. Alors, y'a un site Scout X. À proximité. Et on va démarrer la mission, c'est parti. Encore un lancement. Ils arrêtent pas chez Galilée. Psst. Hey, c'est moi, je suis ici. Jimmy Siska. Incognito. Ouais, impressionnant. C'est beau, hein? J'ai vécu dans le péché. Et c'est l'heure de la confession. Ouais, Mission Danger 3. Si ça, c'est pas un classique. Classique? Désolé, je pensais pas que t'étais fan à ce point-là. Ouais, ouais. Avant, ouais. J'ai sacrément merdé, pas vrai? C'est un thème récurrent chez moi. Mais il est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Genre ici et maintenant. Enfin, en y réfléchissant, peut-être pas maintenant tout de suite. Je suis pas vraiment sûr de pouvoir retourner là-bas. Y'a pas de souci. Dites-moi ce que je dois trouver, je m'en occupe. D'accord. Alors... Ok, bon, tu verras. Il y a un ascenseur qui amène au sous-sol. Au sous-sol, il y a une pièce, et à l'intérieur de cette pièce, il y a d'anciennes tablettes sumériennes qui auraient été gravées par le visiteur lui-même. Non, non, je déconne pas. Et eux, je t'assure qu'ils déconnent vraiment pas. Ok, ok. C'est bon, je vous crois, c'est parfait. Bon. Écoute, si t'as besoin d'autre chose, t'hésite pas. Bah ouais, ouais, non, mais ça va aller, hein. Tu veux pas qu'on demande à... Je vais prendre un ascenseur. Non, c'est bon, tout va bien. J'ai la carte juste ici. Voilà, alors. Mais... Maintenant. Oh, ça va, deux minutes. Je veux pas te stresser, mais ce serait pas plus simple de demander à quelqu'un. On va prendre la moto. Allez, c'est parti. Ok, les mecs, je vais entrer dans le temple de New Dawn. Jimmy Siska vient d'accepter de dire quelques mots pour notre vidéo. Wow. On est prêt. Maintenant, on attend juste que tu récupères le trésor. Fais gaffe aux serpents, surtout. Il y en a toujours, des serpents. C'est pas ce genre de temple, Wrench. Les serpents, c'est de la merde. Je ferai gaffe. Il pète un câble. Ou des Goa'uld. Ah, les motos, ça passe bien. Oh, normalement... Tu tombes, hein. Alors. On va faire ça. Là ! Attention ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors. Moi déjà, comment je rentre ? Ça, c'est la grande question. Et je pense que j'ai une porte ici. J'ai une porte ici, tout simplement. Ouais, bah tout simplement. Après, il faut pouvoir rentrer. Bah, c'est ouvert en fait. Aïe. J'ai besoin d'aide. Ah ouais. Ici centrale, tenez-vous prêt. Ici potentiel, dessinez-vous près de votre position. Aïe, aïe. Dans sa tête. Wouah, j'ai la police aussi. Bah ouais.
normal. La police, la garde. Wow, wow. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh, mitrailleuse. Aïe, 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 aïe. Faut que je me soigne. Renfort appelé, rien que ça. Wouhou. Aïe. On va reculer, normalement c'est bon, voilà. Il y aura qu'à prendre les gens quand ils se pointent. Oh la police, j'ai pas envie de tirer sur la police à la base. Aïe. Voilà, on verra. Je me suis bien planqué. Allez, mais c'est pas possible. J'arrive pas à les toucher. En tout cas, pas comme je voudrais. Ça, c'est sûr. Ah, là, il y a du monde encore. Attends. Surprise. Cours, vas-y. Mais elle avait pas, là. Si. Voilà, dans ta tête. Autant que dans le premier, j'avais délivré une paire de têtes, de balles dans la tête, mais ici, franchement, c'était un peu ridicule. Alors ici, il y a de l'argent, normalement. C'est ce qu'on est occupé de me dire. Ah, ici, les serveurs, peut-être. Voilà, j'ai l'accès. Et là-bas. Je t'ai pas dit que tu pouvais. Une chère. Bah ouais, j'ai abattu tout le monde comme des chiens. Alors là, rejoindre le sous-sol. Ouais, on va monter. On verra ce qui va se passer. J'ai aucune idée là. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était pas très intelligent, mais on l'a fait quand même. Alors, pirater, trouver la passerelle réseau. Ici. Alors on va faire comme ça, non, comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre côté? Ah bah oui. D'accord, ça vient de là-bas. Wow, wow, wow. Eh, on va rire ici. Alors, voilà. Ça, c'est bon par là. Ok. Ah, d'accord, ils ont fait ça comme ça. Bon, pourquoi pas. Là, par contre, j'ai rien. Ok. Ok. Là on est bon aussi. Ah, il faut ici maintenant. Ok, bon.
Voilà. On va l'ouvrir. La passerelle, elle est bonne. Ah ouais. Évidemment. Elle est bonne. Ok, on a le passage ici. On peut l'ouvrir ici. Ok. Et pareil pour l'autre côté maintenant. Va falloir que je m'y fasse à ce truc. Voilà. Voilà. Là il est ouvert, là il est ouvert. On ouvre tout. Là on l'a ouvert et c'est parti. Eh ben, pirater. Bah on va le pirater, hein. C'est parti. J'ai déverrouillé l'ascenseur caché. Attends, c'est quoi cette phrase? Bah quoi? C'est vrai? Bienvenue au 5e niveau de New Dawn. Félicitations pour votre élévation spirituelle. Élévation, j'ai pas su. J'ai travaillé dur pour y arriver. La quatrième tablette explique notre onde nouvelle. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec cette tablette sumérienne machin là? C'est un peu vieux quand même, hein, les... Vous avez devant vous ce que New Dawn a de plus précieux. Ce sur quoi repose leur religion tout entière. Une série de tablettes sumériennes vieilles de plusieurs millénaires. Il y a tout un tas de trucs chelous ici, mais ça alors, ça c'est spécial. Pourquoi elles sont pas dans un musée? Et puis, qu'est-ce qui leur donne le droit de les cacher à la population? Enquêtons ensemble. Ça dit de pas toucher? Mais j'ai vraiment envie, allez juste un petit peu, allez quoi. Tout ce patrimoine culturel. Attention. J'ai tellement de chance d'avoir ce privilège. Oh, non. Oh putain. Oh le con. Fausse. C'est une grosse arnaque. Les gens qui rejoignent New Dawn, qui paient des millions pour pouvoir les voir, alors que c'est du pipeau. Aussi pipeau que leurs promesses. Ah ouais. Ouais. Ça fait du bien. Allez, je me tire. Ah, ils vont être foudrage. Tu vas te faire des copains. Alors ici, s'échapper du temple. Bah, normalement, par où on est passé, hein. J'ai envie de dire. Si on est descendu dans un sens, on peut ressortir de l'autre. En théorie, hein. Approchez. Contemplez. New Dawn. Netsec a décidé d'enquêter sur l'église de New Dawn et a découvert le crime et la corruption à l'état pur. Ils achètent des quantités astronomiques de données personnelles pour mieux cibler leurs ennemis. Ils savent vraiment tout de vous. Nous nous apprêtons à dévoiler tout ce que nous avons appris via nos canaux habituels. Lisez, vérifiez. Vous arriverez à la même conclusion que nous. New Dawn est une organisation criminelle qui intimide ses propres membres, détruit leur vie et s'empare de toutes leurs économies. Ne nous croyez pas sur parole, voici notre invité. Salut tout le monde, moi c'est Jimmy Siska. Vous me connaissez, j'ai joué dans des films à succès avant de me faire laver le cerveau par New Dawn et qu'il me force à dire tout un tas de conneries. Quand mes amis ont remis en question les pratiques pourries de l'église, ils ont tous disparu. Quand j'ai voulu faire pareil, on m'a enfermé dans une pièce toute bizarre contre mon gré. Ne vous inquiétez pas, la police a déjà ouvert une enquête. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette église? Qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols? Mes amis de DedSec vont vous montrer la vérité. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Ok, alors. S'échapper du temple. Oh, et cette musique classique est omniprésente. J'adore. Alors, on est sorti. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc à prendre ici. On va peut-être, en passant, aller le prendre, hein. Ce serait dommage de pas en profiter. Un petit butin, là. Là, voilà. Et alors, il y a encore autre chose à prendre ici. À 70 mètres.
complètement barré. Franchement, il est génial ce jeu. Autant que le premier, j'avais bien aimé, mais que là, c'est encore une petite touche ironique et franchement, ils ont cartonné. Bon, quand je le redirai avec, comment dire, sans mon rhume, ce sera mieux, mais ils ont cartobé, hein. Voilà, en gros, c'était ça. Alléluia, alléluia. Ils sont craqués. Bon, tant pis. Tant pis, on va pas se casser la tête. Ah. Non. Tant pis, on va s'échapper, on va pas faire de fioritures. C'est pas grave, on va s'échapper du temple et on va voir la suite de notre aventure. Ouais, la porte. Là, elle est là, la porte, il suffit de la demander et de surtout d'ouvrir les yeux aussi. J'ai essayé un jour d'ouvrir les yeux et ce jour est arrivé. Voilà, et alors maintenant ? Il passe plus rien, voilà. Fin du jeu, merci, au revoir. Non. Et je pipe. Oh non ! Presque level up. Nouvelle mission. Ah. Yo, Sidara. Dis, tes affiches là. Elles sont belles, tu sais. On dirait presque de l'art. Mais va chier, Marcus, c'est de l'art. J'en sais rien. J'y connais rien en street art, moi. Alors tu seras mon élève. Je t'envoie des coordonnées. On se retrouve là-bas. Enfin, si t'arrives à les déchiffrer. Retrouver Wedge dans son garage. Update sec, je sais pas ce qui se passe. Ah ouais, c'est ça. Alors. Ça, c'est celle que j'ai déjà fait. Ok. Faites, pardon. Donc on a la Fun Bloom et Hack. Non, Hack City OS, non. Secondaire en ligne principale. Ok, les oranges chez les principales et les secondaires. Ok. Ouais, bon. Et vous savez quoi? Hop. Allez, hop. Devant les gens, c'est peut-être pas top ça. C'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai faite, mais tant pis. Ouais, voilà. Ça appelle déjà la police. C'est un truc de. Wow! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Surtout restez calme, la police est en route. Ouais, salut. Bon, j'espère que je vais pas en croiser, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Alors, il y avait une bagarre entre la police et quelque chose. 5 sur 5. Par contre, la moto elle dépop. Hein. On a un sentiment de vitesse, c'est pas comme le reste. Ou comme. Ouh, je t'ai frôlé toi. Et hop! Je suis un dingue, moi. Oh, oh. Oh, ça passe. Oh, je suis un fou. Marcus, notre réseau de followers, c'est devenu une vraie machine de guerre. En sens inverse, c'est pas top. Fier. C'est toi qui as lancé tout ça. Là où DeadSec était quand t'as dit désordonné, t'en as fait un mouvement. Les gens portent tes logos, ils scantent tes slogans. Voilà. T'as fait un super boulot. Merci, beau gosse. Mais n'oublie pas qu'on a un objectif. Ouais. Tout ce que je fais, je le fais pas pour qu'on me passe de la pommade. Hop là. Ce que je veux, moi, c'est que les gens ouvrent les yeux. Attends, par contre. Ça va pas tarder. Ils sont aveugles depuis trop longtemps. Alors, par où on va passer? Ah, ça passe pas. Ah, ça passe pas. En plus, il y avait une bretelle d'autoroute juste là. What the fuck? Alors, bon, la moto, elle est salement embauchée. Pas grave, on va la remonter. Hop, c'est parti. Et. Quart de tour. C'est parti. Alors là, par contre. Voilà. Il était en mode je sais pas quoi faire de ma vie. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je suis désolé, mais quand c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez de la visite. Nous venons de vous localiser. La police arrive. Voilà, on va se casser parce que j'ai pas envie de rentrer dans un truc.
Parce qu'à tous les coups, c'est encore moi qui vais prendre pour tout le monde ici dans cette histoire. Je les connais, hein. Alors, on va les reparler. On va parler à Wedge. Comme ça, on va être tranquille directement. Ça va lancer la mission et plus de poursuites par les flics. Yo, Orange. Salut, mec. Putain, j'espère que tu gardes les tickets. Tiens, regarde-moi ce guignol, là. Alors, parlez-nous de Home 2.0. Les systèmes Home sont entièrement inattaquables et vous garantissent une sécurité absolue. Sacrée affirmation. Vous n'avez pas peur que des groupes de hackers le prennent comme un challenge? Appelons-les par leur nom. DeadSec. S'ils veulent s'attaquer à nous, je les invite à essayer. Home 2.0 est un OS qui sait se défendre. Attends, il a carrément parlé de nous, là. Yep. Il sait pas à qui il a affaire, lui. C'est la guerre, maintenant. C'est pour ça que j'essaie de craquer 2.0. Il reste juste un... tout petit problème. Quoi? Attends. Tiens ça. Et recule un peu. Super, voilà, comme ça. La puce. Et un peu... difficile à extraire. En fait, ça sert à rien d'utiliser le matos de la version précédente pour craquer le nouvel OS. Pourquoi? Parce qu'ils ont modifié les ports. Conformément au guide de l'obsolescence forcée pour capitaliste. Heureusement, un petit oiseau m'a dit que 2.0 contenait une vulnérabilité. Zero day. Bah alors ça, c'est pas de bol. Tu m'étonnes. Du coup, toi, mon pote, tu vas me trouver un chargement de précommande de 2.0 avant qu'un putain de White Hat dise à Home comment nous... faire à moi. T'as une relation super chelou avec la technologie, toi. Tu le sais, ça. Il pensait pas ce qu'il disait. Allez, c'est parti. On va devoir aller piquer un truc à Omble ou je sais pas trop quoi. Mais... on va se laisser pour cet épisode, merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait, merci à tous, bye bye.